le programme dans ma rue on joue est de retour pour une seconde année consécutive les valenciens qui souhaitent faire reconnaître leur rue comme étant propice aux jeux libres ont jusqu'au 30 avril prochain pour remplir le formulaire disponible sur le site internet de la ville pour en savoir plus sur le programme voici un extrait d'un reportage diffusé l'année dernière lors du lancement du projet pilote. Inciter petits et grands à jouer librement et de façon sécuritaire dans les rues et encourager la mobilisation citoyenne font partie des objectifs de Dans ma rue, on joue, un projet mis en place dans la ville de Salaberry-de-Valleyfield. Dans ma rue, on joue, c'est un projet qui a démarré à la ville de Belleuil en 2016 et c'est une citoyenne qui en a fait la proposition à notre euh, comité de développement social. Donc ça a cheminé, euh, le comité a décidé de s'en inspirer, de l'instaurer à Salaberry-de-Valleyfield. C'est Cynthia Doucet qui s'est adressée au PRAC pour parler de, du projet de Dans ma rue, on joue. Elle souhaitait vraiment que ça puisse voir le jour à Salaberry-de-Valleyfield. Et puis, en parallèle, le PRAC siège sur le comité de développement social. On était en train de refaire la politique de développement social. Donc, c'est comme deux grandes idées qui se sont rencontrées. fait qu'on a plus facilement intégrer euh, le projet euh, dans ma rue. On joue dans la politique de développement social. Donc, c'est une façon de sécuriser, de standardiser la façon dont nos enfants, nos jeunes peuvent jouer dans les rues. Donc, c'est sûr que c'est une pratique qu'on veut euh, encourager, mais on veut aussi favoriser une bonne, euh, co bonne cohabitation avec euh, les, automo les automobilistes. Et en, en, en standardisant cette pratique-là, ben, les parents peuvent avoir confiance de laisser les jeunes jouer dans la rue en toute sécurité. Pour ce qui est de la portion mobilisation citoyenne du projet, les citoyens sont invités à proposer leur propre rue et à inclure leurs voisins dans leur démarche. Ça a l'avantage de, de mobiliser l'ensemble de la rue. On demande de, euh, aux initiateurs du projet dans chaque rue d'aller recevoir l'approbation euh, des voisins. Donc, ça fait en sorte que toute la rue est mobilisée comme ça. Puis, ça stimule également l'esprit de quartier. C'est un autre de nos objectifs qu'on essaie d'intégrer dans chacun de nos projets. On veut recréer une belle vie de quartier, que les voisins se parlent, que les enfants qui habitent à quelques rues les uns des autres jouent ensemble, de susciter des conversations aussi entre parents pendant que les enfants jouent. Donc, en mobilisant le voisinage dès le départ, mais ça contribue à recréer ce climat-là. La première étape là, à partir de maintenant, c'est de voir est-ce que notre rue est déjà à l'étude. On les a toutes mises sur le site Internet. On va venir mettre les rues au fur et à mesure qui vont, qui vont s'ajouter comme rue à l'étude, comme rue acceptée ou rue refusée. Deuxièmement, on, on peut faire une demande. Si notre rue n'est pas à l'étude puis qu'il n'y a jamais personne qui a fait de demande pour cette rue-là, on peut euh, remplir un petit questionnaire sur euh, le site Internet pour faire une demande à la Ville pour voir si la rue pourrait être autorisée. À partir de là, euh, nous, on reçoit. Les demandes, le comité de circulation jette un œil pour voir est-ce que la rue pourrait être possible ou pas. Et puis, du moment que c'est possible, on vous renvoie un formulaire euh, et puis vous devez circuler en fait, euh, faire du porte-à-porte -porte dans votre quartier avec votre purée et votre crayon et euh, le, le petit formulaire pour aller chercher en fait euh, des signatures, une adhésion au projet. Ensuite, vous nous renvoyez votre formulaire et puis nous, à partir de là, on fait faire la résolution par le conseil municipal, et puis on va venir installer de la signalisation en fait dans les rues pour euh, indiquer, c'est euh, ralentissez ici on joue dans la rue ou euh, quelque chose comme ça là, c'est jeu libre euh, autorisé. Le projet pilote a suscité beaucoup d'intérêt en 2021 puisque près de 200 demandes ont été reçues. De ce nombre, 108 ont pu être vérifiées et 89 étaient considérées comme admissibles. Au final, 24 demandeurs ont poursuivi la démarche en obtenant l'aval de leur voisinage, permettant ainsi l'installation d'un panneau de signalisation indiquant Ralentissez, jeux libres autorisés sur cette rue. Rappelons d'ailleurs que pour être acceptée, une demande doit répondre à plusieurs critères, comme par par exemple, elle doit émaner d'un citoyen habitant sur le tronçon demandé, la rue proposée ne doit pas être trop passante comme un boulevard et le secteur doit être résidentiel. On a été surpris de l'engouement puis on en est très fier. C'est un peu une fête des voisins qui peut se faire à chaque jour pendant l'été. Donc, à chaque jour, on peut aller jouer. Ça crée aussi une belle ambiance. Je pense qu'il y a peu de choses plus agréables que de voir des enfants jouer ensemble, surtout l'été. Toujours, c'est toujours agréable. Mais surtout l'été, quand il fait beau, entendre des, des rires, des cris d'enfants qui s'amusent ensemble, c'est ça qui fait qu'on qu est heureux de vivre dans notre ville. C'est ça qui fait que notre ville a l'air jeune, dynamique, vivante. C'est notre objectif qu'on cherche à rejoindre dans tous nos projets. On veut que ce soit un projet collectif et non pas un projet individuel de dire, Bien, moi je vais aller bloquer la rue, puis moi je vais jouer, puis moi... Fait on, on veut que ce soit vraiment une démarche collective de rue, puis comme, comme euh, Monsieur Lemieux l'a mentionné tout à l'heure, ça, ça devient un, un projet porteur euh, de quartier qui, qui vient augmenter notre sentiment d'appartenance.